bien bonjour à tous. Les amis, c'est mon jumper. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi, ça me fait nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve, comme vous voyez, avec mon jetpack pour une nouvelle vidéo sur Airport Tycoon. Et oui, car les amis, je voulais vous remercier grandement pour cet accueil de folie que vous avez fait, bien sûr, sur ce Tycoon qui apparemment a l'air de vous faire plutôt... comment dire, en fait je suis une victime là, c'est vraiment, je suis tellement le pire pilote ever que tout le monde se marre à chaque épisode, même moi quand je revois le truc, hein, pour te dire. Du coup les gens, aujourd'hui on se retrouve, alors comme vous le savez bien sûr j'avais fini l'aéroport, mais attention, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un nouvel avion qui a tout simplement débarqué. C'est ça qui est dingue, vraiment, le jeu il a dû se faire mettre à jour, allez, 2 ou 3 fois, hein, tu vois, depuis qu'il est sorti. Et là, comment dire, le jour où j'ai sorti la vidéo que j'avais tournée la veille, je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En gros, le jour même de la sortie du deuxième épisode, il y avait tout simplement l'avion cargo qui a tout simplement été ajouté en fait à Airport Tycoon. Voilà, donc il fallait absolument que je teste ça, et c'était bien sûr le commentaire le plus fréquent sur la vidéo. Et heureusement, on n'a pas trop parlé de mon manque de talent en pilotage d'hélicoptère. Mais bon, hein, ça c'est, voilà, hein, c'est le pilote, l'hélicoptère sous-marin. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc du coup, je vais tout de suite claim la zone pour avoir, regardez, mon aéroport. Oui, parce que bon, avant, non, j'avais pas la... Attention de recommencer à zéro. Je sais que vous aimez bien le jeu comme moi, mais là, non, c'est mort, tu vois. Et en plus, j'ai mon jetpack, hein, j'ai aussi également le autocollect et cet aéroport. Mais il envoie tellement du steak, quoi. Il est tellement stylé, ce jeu. Il est tellement stylé. Et je pense que, les amis, on est loin d'avoir terminé, hein, parce qu'à mon avis, les mises à jour, il va y en avoir. Donc, du coup, on est parti, les gens, pour le temps de niaiser. On est là pour découvrir l'avion cargo. Alors, attends. Est-ce que je peux y aller en jetpack? Oui, parce que... D'ailleurs, au passage, ils ont corrigé le problème du jetpack qu'on ne pouvait pas obtenir la fois dernière. Oh, mais c'est tellement stylé! Non, mais regardez ça, quoi! Alors, j'imagine que ça va être là-bas, parce qu'on n'avait plus de place, hein, à l'aéroport classique. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il avait mis un autre aéroport, hein, bien sûr! Oh, mais attends, je vois un truc rouge! Ah! On est, c'est ça! Alors, par contre, aujourd'hui, on va essayer de repiloter l'hélicoptère! Alors, par contre, il aurait pas pu le mettre ici, parce que là, ça coûte combien, attends, cet avion cargo, là? Alors déjà, le hangar, il coûte 60 000 $. What? En fait, on va pouvoir agrandir l'île. Excellent. Sachant que ça n'était pas, c'est la fois dernière. Hein. Ça n'était pas, donc du coup, ici, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. On a une nouvelle piste. Oh, génial. Et bien sûr, les lignes, hein, tout à fait logique. Ah, il sera peut-être dans le hangar, finalement. On pourra le débloquer qu'après. Oh, mais c'est ouf. Mais en fait, ça agrandit tellement l'île. Oh my god. Mais attends, mais là, on a déjà plus de la moitié, là. Mais c'est génial. Ok, donc là, on a une fois de plus des lignes supplémentaires. Le cargo plane, 1 500 000. Ah non, 15 millions. Bon, ça va. On a quand même assez de thunes. On est bien. On est vraiment très bien. Ouh là là, ok. Voilà le bébé. Et on voit bien qu'ils ont préparé un autre terrain pour un autre avion. Hein. Waouh, mais il est encore plus grand. Non, mais c'est encore plus grand qu'un A380. Oh, peut-être pas. Enfin, je sais pas, mais c'est un avion militaire, le truc. Alors par contre là on est d'accord que c'est... tu te fais aspirer dans le truc, tu sais. Non, parce que ça tourne, les turbines tournent, hein, donc ok, donc là c'est pour le faire respawn. Alors attendez, on va bien l'observer, parce que c'est vraiment la seule et unique nouveauté. Et tiens, attendez les amis, d'ailleurs il est possible de rentrer un code. Donc vous appuyez sur le petit logo Twitter pendant que j'y pense. Vous allez rentrer le code. Alors ça s'écrit comme ça, donc S3LK, ensuite RONS. Voilà. Donc c'est le crons, voilà, comme ça, et donc vous faites redeem. Voilà, et là du coup on obtient... Ok, 25 000 de cash. Mais c'est énorme. Mais c'est ouf, on a obtenu 25 000 de cash. Et non, j'aurais eu ça pour débuter pour le premier épisode, ça aurait été quand même pas mal. Par contre là, il y a un petit problème de porte là, non? Allez vas-y, on va aller voir un petit peu la bête. Oh non, mais il est tellement énorme, on dirait clairement un transporteur militaire, tu vois. Alors comment je rends... C'est quoi ça? Attends, on peut verrouiller la porte? Oh, pas mal. Alors on va rentrer à la première personne, ça sera beaucoup mieux. On peut verrouiller la porte, excellent. Je pense que ça c'est pour le... L'énorme porte là-bas. Waouh. Mais c'est génial. C'est ouf, alors par contre attends, on aura un pote avec toi, hein, parce que la distance entre la porte ici et la rampe et le bouton là, laisse tomber quoi. Ok, donc là je peux fermer la rampe, très bien. On a ok, on a rien du tout, je pensais que c'était une porte. Et là on a tout ce qui est pour... Oula. Alors par contre, niveau instrument de navigation, ouais, bah... Après, peut-être que ça s'affiche quand on le démarre, je ne sais pas, tu vois. Ouh, avec le jetpack, c'est tellement stylé, regardez. Mon siège, il est tellement, tellement stylé. Ah oui, d'accord, il y a 4 sièges. J'avais pas fait gaffe, regardez.
Ah non, il y en a trois, autant pour moi. On en a un petit ici et deux autres là. Oui, quatre. Voilà, c'est bon, oui, je sais. On veut tous tester le... Oula, j'ai un problème avec la main, tu vois. Au moins, ça m'aère, tu vois. C'est la climatisation de l'avion, tu vois. Ok, donc, attention. Démarrage des moteurs. Oula! Effectivement, c'est un beau bébé. Je comprends pourquoi, d'ailleurs, ils ont agrandi la piste. Hein. Ok. Ouh, doucement. Ok, il a la pêche. Ah, attendez. Ok, ici Tango Charlie, je me prépare à virer à droite pour entamer un décollage imminent en direction de chez moi, voilà, de l'autre aéroport. Regarde là, je me mets en position, regardez, oh là là, comme en vrai, regardez, oh là là, ouais, il y a toujours des caméras dans les avions maintenant, tu sais, pour que tu vois un petit peu les prouesses du pilote. Ok, c'est bon, la piste est libre. Ok, les amis, préparez-vous. On va mettre la vitesse au maximum. Allez, c'est parti. Par contre, les ailes... Ok, ça y est, on est parti. Allez, yes. Oh là là, j'ai cru qu'on allait jamais décoller. J'ai cru qu'on allait finir à la flotte. Ça y est, on est à 160 d'altitude. C'est incroyable. Heureusement que j'ai mis mon casque parce que c'est un coup à tenir sourd. Tellement stylé. Et vous imaginez, si vous êtes à plusieurs, on peut gérer les transports et tout. Bon, même s'il n'y a pas encore de cargaison. Oh, c'est ouf. Regardez, on va aller voir l'autre. Je vois plus rien. Par contre, quand tu switches entre la première personne et la troisième, c'est terrible. Attendez, on va essayer de prendre un joueur avec nous. Ça sera une première, hein. Ok, alors attendez, parce qu'on peut pas regarder, hein, bien sûr. On peut pas tourner la tête. Ok. Ah, oh, ça se passe bien. Ok, doucement, on entame la descente et on arrive à Hawaï avec ces magnifiques palmiers inexistants, comme vous le voyez. Voilà, et là je viens d'arriver. Oh là 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 là. Oh, je vais taper la tour de contrôle. Oh, ça tape la tour de contrôle. Oh là, oh, il se passe quoi? C'est bon, le train d'atterrissage? Tout est bon? Qu'est-ce qui me fait là? Qu'est-ce qui me fait là? Attends. Voilà, c'est bon. Je crois que j'ai le nez dans le sol. Alors là, par contre, s'il capte que je suis plus sur la terre ferme, il y a un moment, il va... Voilà, c'est bon. Oh, 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 attention. C'est décollage digne d'une fusée. Ok, il va falloir refaire un passage. Je crois qu'il joue pas. Il a pas l'air d'être très vivant. On va aller voir un autre joueur. Allez, on augmente la puissance. Voilà. Ok, alors est-ce que... Non, là-bas, c'est mon aéroport à moi. Je vois qu'il y a un autre aéroport en face de nous. Par contre, c'est une... Allez, mais je peux pas aller au plus haut. Ok, j'arrive un peu vite, là. J'arrive un peu vite pour la taille de l'aéroport, là, non? Oh là 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 là, quelle galère. Allez, monte. Monte. Oh, attention. Il y a personne. Transformation en sous-marin. C'est bon, nous ne sommes pas visibles. C'est un avion fait pour l'armée, ça c'est clair. Nous l'appelons la baleine dans le métier, regardez. Ou le requin. Car seul l'aileron peut dépasser. C'est tellement n'importe quoi ce qui est en train de se passer. En vrai, je pourrais abandonner le... J'allais dire le navire, mais l'avion, hein, très clairement, hein, c'est possible. Oh, non mais là, laisse tomber quoi. Bon, attendez les amis, j'ai changé de serveur parce que j'aimerais bien croiser quand même d'autres joueurs qui ont des aéroports un peu plus grands, enfin du moins qui peuvent accueillir en fait mon cargo. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un en jetpack et tel tape plein en même temps. Voilà, là je peux vous dire que là, Superman, il doit le savoir. Ok, donc du... Ok, ça a failli me... Le karma. Voilà, c'est... Ok, très bien. Donc du coup, j'arrive en direction... Non, en fait, ce jetpack, il est génial quand même, non? Regardez. Oh! What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je vais bosser en partenariat avec le dev et que je vais être spécialiste dans les bugs que tu peux pas deviner, quoi. C'est clairement pas possible. Non mais, il doit avoir ça, il doit s'arracher les cheveux le dev, hein. C'est clairement, il doit se dire, mais comment c'est possible? Regardez ça! Comment c'est possible de balader? Ah bah, attends, faut que... Allez, oh l'avion, attention! Je voulais voir s'il pouvait se plonger l'avion, bah c'était pas loin, il va tomber dans la flotte. Ok, il a abandonné.
Ok, je reprends mon avion. Allez, attention. Je désactive le jetpack. Et là, on est parti. Ok, vous pensez qu'on a le temps de l'amener avec nous ou pas? Attends, je vais l'ouvrir à ma porte. Attendez, il va venir, il va venir. On a un client. Ça y est, enfin, je vois un être humain sur ce jeu. Natouille, Natouille, ramène-toi, attention. Et là, ça y est, on l'a écrasé, voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr, voilà. Alors par contre, il est où là? Attends, il est en dessous ma roue là, vu comment je bouge, non? What? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me soulève! Il soulève mon avion! Alors, ah, je crois qu'il a essayé de rentrer dedans, mais c'était un peu bugué, non? Attends. Je vais essayer de repousser l'avion là, parce que c'est pas possible là. Oh! Nickel! C'est bon! Je le gère! Je le gère! Je le gère pas! Je le gère pas! Je suis mort! Est-ce que je suis mort? Je m'entends encore! J'entends le. Ah voilà, j'allais dire, j'entends encore le jetpack, mais il me semblait bien que. Ça. Oh non! Oh non, c'est bugué! Oh non, l'enfer! On va entendre le bruit du jetpack non-stop! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas. Bon, moi, ça fait le bruit d'une fusée, tu vois, c'est réaliste, hein! Super! Attends, si je démarre. Ok, bon, on va dire que le bruit de cet avion va couvrir le bruit du jetpack. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, je vais me rediriger en direction de Natouille! J'arrive, Natouille! J'arrive! Il va pas me voler mon avion quand même. Attends, héros. Ah, le cargo, je l'ai payé, je le garde. Je le garde, attention. J'arrive. Oh là là. Je l'ai presque embarqué avec moi, hein, franchement. Yes, et on descend. Nickel. Alors par contre, le jetpack ne marche plus, hein. Là, clairement, on l'a plus du tout. Très bien, donc là, on est bon. Et on a toujours ce bruit horrible de du jetpack. Voilà, c'est bon, et là je peux grimper par là directement. Ok, c'est bon, on est parti, voilà, il arrive. Ça y est, attends, je vais stopper les moteurs. Parce qu'il va être encore capable de soulever mon avion là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte? Attends, je crois qu'il a pas compris. Il a pas compris. En fait, c'est lui qui va s'occuper de gérer mon décollage, tu sais. Ok, comme ça. Oh, c'est tellement chaud. Oh, je vois qu'il y a quelqu'un qui a 156 000 sur son île. Ah non, il veut prendre un autre avion, d'accord. Bon, je décolle. Allez, je l'attends pas, c'est bon. Tant pis. Allez, je fonce. Je fonce. Allez. Yes, like a boss. Like a boss. Ok, donc là, on a le Koala Airport. Je sais pas si c'est celui là-bas ou quoi. Natouille, bon, il était là. De toute façon, il est resté derrière. Oh là là, cet avion, cette bête. Cette bête. Ok, donc là, est-ce qu'on a un client ou pas ici, là? Je regarde. Je vois quelqu'un ou pas? Non, y'a personne. Après, il est peut-être dans l'aéroport. Hein. C'est peut-être possible. Je vois qu'il y a un autre aéroport là-bas. Il est peut-être là-bas. Ouais. On va essayer là-bas. Oh la puissance! Je me demande s'il est aussi puissant que l'avion de chasse. Enfin, en termes de vitesse. Hein. Oh là, la piste, regardez, elle nous accueille. La piste elle-même nous fait des signaux, tu sais. Elle nous attend. Ça y est. Ok. On va commencer à entamer la descente. Ouais, un peu plus. Alors, pas en dessous de Trolls. Sinon. Ouais, c'est bon. Je coupe le moteur. Non, je coupe le mode. Il n'y a que ça à faire. Oh, quoi? Eh ben, je suis mort. Eh ben, voilà. Eh ben, génial. C'est... Ah, on voit que, clairement, c'est tellement chaud pour le faire atterrir. C'est horrible. Allez, les amis, on va retenter une fois de plus. Alors, déjà, le décollage. On va y arriver, hein. De toute façon, je ne quitterai pas cette map tant que je n'aurai pas atterri sur un aéroport. Ok, c'est bon. Les gens, je vois actuellement... un aéroport, je pense qu'on va retenter celui de là-bas en fait. Mais non. Oh, oh, oh. Ouais, j'ai bien fait, ouais, parce qu'il viendra apparaître lui. Ok, très bien. Ok. Ok, c'est bon. Voilà. Je maîtrise. Ok. Oh. Oh, il y a un collègue. J'ai failli lui rentrer dedans. Ok, mais je pense pas que ce soit possible. Ah, il veut vraiment me rentrer dedans lui, hein. Non mais regarde ça. Non mais c'est bon, non mais... Il veut vraiment me rentrer dedans. Alors par contre, lui, il vient de disparaître une fois de plus. Ok, je vais atterrir. Ouais, ça va être son aéroport, lui. Oh, oh. Je crois que j'ai percuté l'avion. Je l'entends, il est derrière moi. Ok, je crois que c'est chez lui que je vais aller, là. Par contre, il a pas de piste. Attends, mais... Ou alors, elle est assez petite. Bon, c'est pas grave. Si je ralentis en avance... Ok, c'est bon, ça devrait aller. Easy. Allez, on est à 80 de speed. Ouais, je sais, stabilisé, ouais, je stabilise. Voilà. Ok, sinon là, on a une perte de moteur. C'est bon, on est bon. On est bon. Oh, on est bon.
C'est bon, on a atterri. Oh là, oh là. Oh, attention. Je crois que nous avons eu un mort. C'est bon. J'ai réussi. J'ai réussi. Ouverture. Pas des portes, non. Du cargo. Voilà. C'est bon. Il peut venir ou pas? Il est où? Yes, il arrive. Par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé, mais j'ai peur qu'il ne puisse pas venir. Je peux ouvrir la porte ou pas? Est-ce que lui, il peut ouvrir la porte ou pas? Telle est la question. Je me demande si... je ne sais pas si il a compris mon signal. J'ouvre la porte. Bienvenue à bord. Bienvenue, Orca. Ok, vas-y. Allez, on est parti. Ah, ah non. Attends. Mon avion vole. Ok, c'est bon. On est nickel. Ah, bah je crois qu'il ne veut pas décoller. Ah bah tant pis. Écoute, ah, peut-être qu'il demande une taxe de douane. Ok, vas-y. Bon, moi j'ai tenté l'atterrissage, c'est déjà ça. Allez, on est parti. Décollage. 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 C'est possible. Je suis bloqué. Mais d'où? Mon avion. Mon avion est totalement bloqué. Attends, si je prends le jetpack là. Ah, attends, peut-être qu'il est débloqué là, ça y est. Moi, je crois qu'il a réussi. Attends, je redémarre. Oh oui, c'est bon, il est avec moi. J'ai un copilote. Bon, accroche-toi par contre, parce que là j'ai peur que... Oh oui. Oh là 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 là, c'est beau. Ah, par contre je peux plus remonter. Je vais être obligé de couler. Ah, ça c'est le problème du... Le seul petit souci du simulateur, c'est que vous... Voilà, ça y est, c'est que c'est tellement chaud à gérer le... Voilà, en fait fallait... Ah ok, il fallait zoomer comme ça. Ah d'accord, alors par contre là, c'est pas logique qu'on ne tombe pas, hein, parce que vu comment on est... Et ben voilà, et ben les gens, ça y est, on l'a fait. On a réussi. Oh, il y a pas notre avion à décoller avec ce cargo et à atterrir par la même occasion, hein, je tiens à le dire. Oh, il va droit devant nous. On va en plein dedans. On va en plein dedans. Effectivement, il passe à travers. Voilà, et là on atterrit. Voilà, et je laisse tomber. Désolé copilote. Désolé. On a un pilote à la mer. Et ben voilà, ben les gens, ben écoutez, on a réussi. Oh, comment c'est stabilisé. Attends, il y a moyen de faire un truc avec. Attends, est-ce que je peux le faire voler? Oh yes. Regardez, je suis un avion. J'ai pu devenir un avion. Oh mais c'est tellement bugué ce jetpack. Et ben écoutez les gens, dans tous les cas, on va les coups s'arrêter là pour ce troisième épisode sur Airport Tycoon. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est le cas comme d'habitude. Je vous invite à lâcher un maximum de likes pour ce nouveau cargo. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne, la vidéo. Je vous remercie grandement les amis, c'était votre jumper. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.